Ah, lâche pas la corde tellement. Hein. Ouais, c'est ma soeur. C'est bien tenu, t'inquiète pas. Hey, gaga! T'as vu quoi, une araignée? Une bête. Pour un que c'est une bête. Bon. Oui. Merci. Qui est le temps de l'autre côté du câble? Ça va, ça c'est pas un problème. Bon, t'arrêtes pas le volant. Tu veux le badinement? Non, c'est bon. C'est la coupe du logis, là, maman? Non. Oh, ouais. Oui. Tout lâcher petit à petit. Allez, l'oiseau. Allez, on... Garde les deux mains là et écarte les jambes. Non, allez, là t'es plus sur les bras là. Place tes pieds. Ok, tends le bras. Non. Allez, on garde les atouts. Si tu passes à du départ, tu ne peux pas descendre. Donc imagine l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on est obligé de prendre ta position, tu la sens, tu sais comment il faut être, tu sens un petit pied, tu descends, voilà, et là tu suis derrière. Des petits pas. Plus doucement, tranquille. Hop, équilibre. Ouais. Et tu continues juste en bas, là, c'est bien. Ben, c'est, il ne faut pas que ce soit toujours tendu partout. Alors là, quand on grimpe comme ça, qu'on a vu déjà la voie, on appelle ça de la... C'est grimper en flash. Donc on a vu la voie, et on passe après en grimpe. C'est déjà... Et tu mets pas tes doigts dans les... dans les petits trucs, hein. On a vu quand on passe vraiment le premier. Là, c'est vraiment le... On appelle la vie vraiment des premières fois. Vous pouvez tirer sur la corde? Ben non, hein. Pas trop non plus, quand ils vont pas t'aider. Sec. Donc là, on essaye, c'est à celui qui met le moins de prise de main pour grimper. Alors, je crois que j'en mets qu'une. Une prise de main dans la branche. Allez, allez. Ouais, super bien. Sans forcer. Super.
Allez, ouais, fais des petits sauts là.